it's nice to do on the second time. But we don't take time. Les Figarella est le village d'une partie de ma famille, le village où vivent ma mère et ma grand-mère. Je suis un musicien pratiquant de la musique du passé, dite ancienne, tout en vivant dans un monde contemporain. C'est au sein de cette contradiction que le projet de l'association Camerata Figarella est né. Il est né à la fois comme un outil conçu comme un espace de liberté pour les musiciens qu'on invite, mais aussi comme l'occasion de réinvestir et de rapporter ici, sur ce territoire, une partie de notre expérience, et de l'inscrire dans le cadre plus large d'une communauté vivante. Avec la Camerata, nous avions envie d'inviter pour le festival des instrumentistes de diverses régions en Europe, ainsi que des musiciens locaux. Les programmes des concerts, qui sont tous à entrée libre, sont conçus à quatre mains, donc avec Ange, en portant l'attention sur des choses qui nous touchent particulièrement, comme le patrimoine matériel, dans le choix des lieux, dans le choix des églises ou des villages, mais aussi immatériel, par l'envie de raconter l'histoire, par envie de raconter aussi les histoires du quotidien en langue et en musique. Le nom du festival est un clin d'œil à ce qui a été à la fin de la Renaissance la Camerata Fiorentina, association, lieu d'échange autour de la création musicale et littéraire. C'est aussi pour nous l'évocation d'une activité musicale intense qu'a connue la Corse du XVIIe et XVIIIe siècle, où on trouvait dans les rues, dans les théâtres de Bastia, des musiciens génois, toscans, napolitains, mais aussi parfois allemands, bataves, occitans et siciliens. Et donc en fait, cette tension-là, elle est vachement intéressante. Et effectivement, quand on joue à plusieurs, eh ben, y a aussi cette tension, tension dans le bon sens du terme, hein, je veux dire, de ces différentes interprétations, justement, de ce qui est écrit sur la partition. Alors... C'est aussi l'apprentissage de la diplomatie. Quand on est un grand groupe comme ça, il faut savoir écouter les autres. Of course, it's quite challenging, especially in the pieces when there are more people playing together. But I think we are doing it quite well. And we also try to always discuss what do we imagine about the piece, and then we put it together. C'est un lieu où on a beaucoup été tous les deux pour travailler, pour préparer même des concours ou pour se retrouver tout simplement pendant une semaine avec les instruments. Et c'est vrai que
C'était à chaque fois on revenait très riche de ce qu'on avait pu passer ici comme temps. Dans des lieux qui sont parfois assez éloignés, on est allé en Balagne, on va faire deux concerts dans le Cap, un concert à Bastia, et on a fait pour la première fois un spectacle pédagogique qu'on a donné deux fois avec un Pierre et le Loup en langue corse de Prokofiev pour les enfants de la vallée. And that's also what we ask as musicians ourselves every day, because of course as there are different periods during the musical history, there are different ways how to play the music. And I think our big task is to try to learn and try to understand about each period, how does it work. C'est inédit par les œuvres aussi qu'ils ont choisies, qui sont des œuvres que la plupart, pour la plupart moi, je ne connaissais pas, et je crois qu'on était nombreux à ne pas les connaître, qui sont des œuvres très très belles, Martinou, Arriaga, qu'est-ce qu'on joue encore, Britten, on joue Tomasi. Tout ça, c'est des compositeurs incroyables qui méritent d'être défendus. De partage éphémère, le moment de partage quotidien, il a tendance à se perdre, et en ce moment avec la pandémie du Covid-19 encore plus. Et donc nous, notre idée, c'est pas forcément de devenir le prochain festival qui va pouvoir inviter de grands orchestres, faire tous les concerts au Grand Théâtre à Bastia, mais c'est essayer de s'inscrire dans cette logique de remettre la participation, la joie de se retrouver à 50, à 60 dans une église avec des gens d'un village au centre.
And that's also like interesting that we have this space here. It's like a little community in the moment. And that's like, I find it always really like much more intense than if we are, for example, in one city and everybody goes home, then you lose a bit the connection. And now it's like continuously going on until the end of the festival. Yeah. And then I think after the festival, there are gonna be new friendships. Yes. Connexion très forte, et moi c'est quelque chose que dans les concerts que je recherche beaucoup, c'est cette espèce de un peu une osmose où on est tous très connectés, mais c'est assez rare, mais on y tend à chaque fois qu'on joue, on tend à ça, et c'est vraiment c'est très grisant comme sensation quand on est vraiment tous très connectés. Et bah c'est là qu'il y a vraiment des belles choses qui se passent, quoi.